déjeuner fini, on retourne faire un petit tour dans le salon. Allez, on va revoir le reste. Sur le stand de Verali sur PlayStation 1, un vieux jeu, donc je sais pas si tout le monde connaîtra, mais en tout cas c'était bon pour l'époque, c'était même très bon, et donc bah, pour l'occasion ils ont sorti les petites voitures de rallye, c'est plutôt sympa. En direct de la Paris Games Week. Ouais. Et je suis avec Coco. Salut Coco. En direct de la Paris Games Week avec Coco Life Allen. Salut la chaîne Jolotte. Un petit pause Coca-Cola. Gratuit. Gratuit. D'ailleurs c'est marqué dessus Coca-Cola Zero. Il est complètement périmé, mais il est frais. Ça c'est Jill Valentine et elle n'a rien à faire là, elle est pas de la série hein. Il vient pécho avec moi Batman. Salut. Il y a Resident Evil, il y a Batman et il y a Assassin's Creed. Tout le monde est réuni et il y a moi. Après la petite vidéo, elle m'a donné sa petite carte la dame. Merci Jill. Du coup après la petite pause cigarette, on est reparti pour faire un petit tour. Allez, dernier petit tour du salon. Et après on s'en va. Le plus beau costume de la Paris Games Week est décerné. Ah. En rien du tout, film. Ouais, pour l'occasion, j'ai revêtu mon plus beau bonnet de la Paris Games Week. Oui, c'est un panda. Non, enfin, je sais pas vraiment c'est quoi. Ça ressemble à un espèce de panda. Ça va ? Bien ? Eh bien, nous sommes avec Coco en direct de la Paris Games Week. Avec. Avec qui ? Nelson. Avec Nelson. Voilà. On est avec Coco et Nelson. Côté où il y a déjà un peu moins de monde là, c'est déjà moins la queue pour tester des jeux. Et ici c'est plus des jeux un petit peu on va dire qu'ici c'est le bâtiment où c'est rétro gaming, un petit peu jeu plus enfantin, mais bien aussi quand même. Et donc on va faire un petit tour. Allez, c'est parti. Ouais, j'aurais bien voulu tester l'Oculus Rift, mais du coup, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est quand même pas mal la queue. Mais je vais persévérer, je vais en faire un tour. Yes, c'est à mon tour. Après un petit peu de temps de queue, et ben on va pouvoir tester l'Oculus Rift. Et ben c'est parti, on va tester ça. We'll be right back.
un martien. Je suis avec le développeur de l'Oculus Rift, le game designer et le graphiste. Et franchement, c'était une tuerie. 3IS, école Institut International d'Image du Son. D'accord. Section art numérique. Nous, on développe le jeu vidéo pour la troisième année, projet de fin d'études. Donc là, c'est développé depuis 20 jours. Prêt. Normalement d'ici un an, ce sera bouclé, phase d'exploration, mouvement de personnage, le tout Oculus Rift, motion capture, donc vraiment on pousse à fond la technologie récente. Hein. Mais ce sera jouable aussi sans pour ceux qui ont un peu le mal de mer. Bon bah du coup, résultat Oculus Rift, c'était franchement bien, et là on va aller tester une autre version, donc une autre démo avec l'Oculus Rift, et qui a l'air encore beaucoup plus badass apparemment. Allez c'est parti. C'est bon, il y a personne, c'est bon. C'est pas du foulage. Regarde à droite, il y a quelqu'un là. C'est voilà. Normal. Oh, c'est bon. C'est oh putain, William, tu me fais faire ah bah, je te l'ai dit, attention. Et quand même là, j'ai failli casser la gueule en vrai. Mais en vrai, hein, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, c'est normal. Ouais, ouais. Voilà. T'en as deux à détruire. On n'est pas obligé de les détruire, c'est pas grave si on les détruit pas. Ah, si tu les détruis pas. Ouais, putain, par contre, eux, ça me. Ouais. Tu vas passer au-dessus là, William, de la barrière. Tu vas voir, si tu la barrière, tu te fais tuer. Et c'est autre chose que l'autre, William. Là, ça me donne vraiment genre limite un petit vertige. Ouais. Fais gaffe à gauche, fais gaffe à gauche. et regarde bien comme ça, tu regarderas comme ça sur toi. T'inquiète, ouais. Et c'est ça que ça met le cœur, tu vois ce que je veux dire. Non, parce que j'ai pas l'habitude. Oh, c'est énorme, William. T'es actif. C'est énorme. Comment ça. Le truc de fou que ça me fait en vrai, mon dieu, cette sensation. Sérieux. Mais je te promets, William. Je vais me casser la gueule des fois. Attends, je vais faire demi-tour. La face, le truc de malade, William. Comment que ça file de vertige en vrai. Comment que c'est trop bien. Ah bah si, ils sont fatigués à cette heure quand même. Nous avons une bagarre de Street Fighter en direct de la Paris Games Week. Attention, je sens que ça va dégénérer. Vous êtes fatigués. On n'est pas fatigués. Fatigués là. Ouais, c'est pas dormir. Bon bah ils sont fatigués. Même pas là. Alors, hein? Bon,
bah voilà, les gars, fin de la Paris Games Week. Là, c'est quasiment la fermeture. Là, le salon va fermer. Et donc, j'ai carrément plus de batterie sur ma caméra. Ça va couper d'une seconde à l'autre. Oui. Et en tout cas, c'était super bien, franchement. L'essai de l'Oculus Rift, très très impressionnant. Pour ma part, très impressionnant. Ça m'a vraiment mis des hauts le cœur et tout. J'avais jamais essayé. C'était vraiment un truc que je voulais tester en venant dans ce salon. Donc, pas déçu de ma journée au final. Voilà, très bien. Et donc, je vous dis à plus tard. Tchuss. Tout le monde, alors je pouvais pas vous quitter sans un petit mot de la fin. Donc comme vous pourrez le voir, j'ai revêti mon plus beau bonnet de la Paris Games Week. Alors je ne sais pas ce que c'est un espèce de machin comme ça. Je sais pas, c'est un panda avec des cornes et un nez rose. Je sais pas. Et du coup, c'était pour vous dire que c'était vraiment une très bonne journée. J'ai vraiment kiffé d'aller là-bas. J'ai pu rencontrer quelques personnes. Alors avec mes même pas 10 000 abonnés, je pensais vraiment pas rencontrer une seule personne. Surtout que j'avais même pas fait une petite vidéo sur YouTube pour dire que j'y allais ou quoi que ce soit. Et vraiment, ça fait à la fois super plaisir et super bizarre quand on vous reconnaît. Genre, je me balade dans les allées comme ça, tranquille. Et là, d'un coup, j'entends « Oh, c'est Jolotte !» Et ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc vraiment, grosse dédicace à vous parce que ça m'a fait super plaisir de vous voir. Et aussi, quand même, une grosse dédicace à ceux que j'ai pas pu voir qui étaient présents. Parce que oui, c'est vrai que j'avais pas fait de vidéo pour dire que j'y allais, donc désolé. Mais on remettra ça l'année prochaine. On se reverra. Et donc du coup, je tiens aussi à revenir sur ce fameux badge qui ne sert strictement à rien. Alors, à rien, je m'explique. Disons qu'il sert quand même à quelque chose. Il sert à rentrer gratuitement déjà, donc ça économise 17 euros, c'est pas rien. Et il sert aussi à passer, on va dire, du côté VIP. Je mets ça entre parenthèses. Donc voilà, ça permet de pas faire la queue pour rentrer dans le salon. On va dire que c'est le côté positif, c'est-à-dire que pendant que tout le monde y fait la queue, vous pouvez passer à côté comme ça. Faire ouh. Donc ça, c'était plutôt sympa. Sinon, une fois que vous êtes à l'intérieur, ça ne vous sert plus à rien du tout. Mais alors à rien. Disons que j'ai voulu jouer au jeu The Division. Donc tout doucement, je me ramène frépimpant comme une fleur vers la dame. Elle était à l'entrée, elle faisait rentrer les gens. Et j'arrive, j'ai dit « Bonjour ma petite dame, combien de temps de queue il faut pour jouer à Division ?» Elle me dit 4 heures. Et en même temps que j'y pose cette question, je frottais bien mon badge comme ça, vous voyez, je l'arborais fièrement, on va dire. Disons que j'aurais pu y mettre sous le nez comme ça, j'y aurais mis. Voilà. Eh bien c'est limite si je te réponds pas. Eh bien dites donc mon beau jeune homme, il est beau votre badge. Allez donc le montrer au bout de la queue, voir. Ah! Et donc c'est juste pour vous dire que vous avez beau avoir un badge, vous avez beau avoir un abonné ou 50 000 abonnés, c'est pareil, vous êtes logé à la même enseigne. Voilà, tu passeras pas devant l'autre parce que t'as un badge, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et puis de toute façon, je me serais jamais permis de passer devant les gens, leur arracher la manette des mains et dire « Wow, hein ?» C'est à moi un peu là, hein? Non, non, ça marche pas comme ça, les gars. Du coup, j'ai pas pu tester beaucoup de jeux. En fait, j'ai pu tester que un jeu, c'est Lucky Luke sur New Super Nintendo 3DS. C'était bien pourri. Par contre, j'ai pu tester l'Oculus Rift. Et là, c'était autre chose. Parce que là, j'ai vraiment eu des sensations de dingue. C'était vraiment un truc de fou. J'ai pu essayer deux démos. Une démo où on était dans l'espace. Et une démo où je conduisais carrément un avion de chasse. J'ai pu carrément faire deux tours d'affilée sur un stand. Sur celui où je conduisais l'avion de chasse, justement. Pour en revenir à cet Oculus Rift, au niveau de l'avion de chasse, je peux vous dire que j'ai eu des sensations de vertige que je ne pensais pas avoir. Quand je regarde les vidéos, je me dis « Oh, mais c'est du chiquet, les gens, ce qu'ils font. » Bon, alors attention, j'étais pas comme ça non plus, hein. Je suis pas non plus hypersensible à ce point-là. Mais j'ai eu des haut-le-cœur, des vertiges, c'était vraiment énorme. Vraiment super bien, ça donne vraiment envie de refaire un tour à chaque fois, voyez. J'ai carrément failli me casser la gueule de la chaise. Pourtant, c'est comme si vous bougez pas, c'est juste un effet visuel, c'est ça que je veux dire. Eh bien, cet effet visuel, il arrive à vous faire perdre l'équilibre. Et c'est super bizarre comme sensation. Je vous raconte ça comme ça, mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas essayé, ils peuvent dire « Ouais, machin, faut vraiment essayer. Faut vraiment essayer pour le croire. » Après. Peut-être tout le monde n'est pas réceptif de la même manière. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment fait un truc. Et du coup, j'ai hâte d'acheter la version finale qui va sortir apparemment le premier, voire le deuxième trimestre 2016. Et ça va être un truc qui va cartonner. L'Oculus Rift va être en 4K et tout. Ça va être un truc de malade. Donc voilà, vraiment, j'ai pu passer une journée entière là-bas. C'était une super journée. Et si c'est à refaire l'année prochaine, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Et si j'y retourne, cette fois-ci, je mettrai une petite vidéo annonce pour dire que je suis là. Comme ça, tous ceux qui étaient là, mais que j'ai pas pu croiser, faut dire que c'est très grand et c'est difficile de se retrouver. En tout cas, je le redis, mais c'était vraiment une super journée. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir rencontrer quelques personnes. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde.